Il y a une drôle d'ambiance dans le Grand Chêne. La famille Écureuil est en agitation. Tibelle, elle guette le moindre mouvement, le moindre bruit, le moindre son. Soudain, papa arrive. Tibelle, tu sais, grand-père est... farceur. Oui, il m'a appris à viser renard avec les noix. Oui, il est farceur, mais il est surtout... oh, très gourmand. Non, Tibelle. Grand-père est malade. Malade? Il va bientôt nous quitter. Comment ça? Grand-père va partir? Non, Tibelle. Il va mourir. Mais ça ne se peut pas. Tu vois cette pomme de pin. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, un jour, elle finira par tomber. C'est comme ça. Et pour grand-père, c'est la même chose. On ne sait pas quand ça arrivera. Mais ça arrivera, Tibelle. Mais quelle idée! Ça ne se peut pas! Si j'attache cette pomme de pin, vraiment, vraiment, elle ne tombera pas et grand-père n'ira nulle part. Pendant la nuit, Tibelle repense. Repense à la pomme de pin. Grâce à elle, demain tout va changer. Grand-père ira beaucoup mieux. La pomme de pin est bien attachée. Mais soudain, la tempête se lève et la neige s'en mêle. Tibelle, bien au chaud, commence à sentir les branches craquer. Et tout d'un coup, elle se souvient de la pomme de pin. La pomme de pin ne doit surtout pas tomber. Vite, vite. Vite, tu dois tenir. Tu ne peux pas nous lâcher. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Tu dois tenir. Cherche Tibelle dans la neige. Tibelle! Et puis soudain, il la trouve là. C'est la pomme de pin. Elle n'a pas tenu. Grand-père va mourir. Tibelle! La pomme de pin, mais quelle idée! Ils sont rentrés tranquillement à la maison. Quand ils sont arrivés, ils parlaient juste assez fort pour que grand-père puisse entendre l'histoire. Alors, Tibelle, comme ça, tu as tenu la pomme de pin pendant toute la tempête? Oui, grand-père, mais elle est quand même tombée. Ah! C'est parfait. Ça m'arrange. Viens donc. Je vais te donner un secret. Et voilà qu'ils se sont quittés avec des rires, des baisers et un secret. Maintenant, Tibelle a une petite graine. Une graine de pomme de pin. Elle n'a plus qu'à attendre et à penser à son grand-père.